La minute liturgique. Une minute pour suivre le chemin de la messe. Parole du Seigneur. À la fin de sa proclamation, le lecteur ajoute « Parole du Seigneur ». Ces mots sont empruntés au livre des prophètes. Ces hommes sont des ambassadeurs de Dieu. Ils parlent en son nom. Mais la chose est loin d'être aussi évidente aux oreilles de leurs auditeurs. Alors, au terme de leur message, ces porte-paroles l'attestent haut et clair. « Ces mots ne sont pas de moi, c'est parole du Seigneur ». Dans notre célébration, en un sens, il en va de même. On lit un texte vieux de 2 ou 3 000 ans parfois, et le croyant est invité à y reconnaître la parole de Dieu et, qui plus est, une parole neuve, fraîche, une parole pour lui, aujourd'hui. On ne lit pas la parole pour l'anecdote, pour savoir ce qui est arrivé à un tel ou un tel. On lit la parole comme des mots qui nous sont adressés. Parole du Seigneur, déclare dès lors le lecteur réclamant, de notre part, un véritable acte de foi.